Bonjour à tous, bienvenue sur cette séance spéciale défi. Ça sera un spécial défi éducateur. On a eu la chance de faire des défis uniquement avec nos licenciés, avec nos jeunes. Et là, on va mettre à l'épreuve nos éducateurs, nos entraîneurs du club. Donc en fait, chaque semaine, voire deux fois par semaine, j'inviterai avec moi un éducateur ou un entraîneur du club pour pouvoir réaliser trois défis. Ces défis-là seront soit faciles, soit difficiles, soit très durs, mais c'est à réaliser. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'inviter Sébastien Tristan, entraîneur de l'équipe féminine R1 de l'OCNA. Il va vous présenter ces trois défis. À vous de pouvoir les faire et de nous renvoyer vos vidéos pour montrer à tous nos licenciés, tous nos jeunes licenciés, vous savez très bien vous débrouiller avec le ballon. Je vous laisse, je vous présente Sébastien Tristan tout de suite et bon courage pour les défis. Voilà, comme promis, on se retrouve avec Sébastien Tristan pour ce défi éducateur. Bonjour Sébastien et merci de venir pour ce défi éducateur. Bonjour à toi Cédric et bonjour à tous les licenciés de l'OCNA. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce premier défi éducateur et dirigeant. J'espère que vous allez bien malgré cette période compliquée et qui nous empêche de pouvoir fouler les pelouses. Mais voilà, si par des petits moyens comme ça on peut s'amuser et garder contact, c'est toujours sympa. Donc je vais vous présenter mes trois défis du jour. Donc le premier, ce sera avec un ballon au bout de 3-4 jongles, après c'est à souhait. Il faudra mettre le ballon au-dessus de soi-même pour le bloquer sur sa nuque et son cou. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous allez voir, c'est assez sympa. Ensuite, le deuxième défi, ce sera 10 jongles avec une balle de tennis. Donc là, ça va se compliquer un petit peu. Et le troisième défi, ce sera le jeu de la barre à une distance environ de 20 mètres, pied droit, pied gauche. Donc pareil, ça peut être assez compliqué. Mais le but, c'est de s'amuser et de rigoler. Je défie tous les éducateurs et tous les dirigeants du club de faire ces trois défis, de poster les vidéos le plus rapidement possible, de les réaliser. Et ensuite, on nominera Cédric nominera un autre éducateur avec trois défis à réaliser. Bonne vidéo à vous, amusez-vous bien et à très bientôt. Nous sommes partis pour le premier défi, mettre le ballon sur sa nuque. Bravo, défi validé! Deuxième défi, 10 jonglages avec une balle de tennis. 4, 5, 6. 9, 10, 11, 12, 13. Bon, ça c'est pour l'enflammable. Voilà, merci. Défi validé. Troisième défi, le jeu de la barre, une fois pied droit, une fois pied gauche. Distance d'environ une vingtaine de mètres. À vos ballons. Yes. Et maintenant, pied gauche. Allez, j'y crois. Wow. Yes. Voilà, les trois défis ont été réalisés avec pas beaucoup de prise. Ah bon, d'accord. Mais on est parti. Quelques jonglages pour se mettre en position préférentielle. Voilà. Donc comme vous le souhaitez, quelques jongles pour se mettre en bonne position et tac, pardon, hop là, tennis. Et maintenant, pied gauche. Je nomine tous les éducateurs, tous les dirigeants, tous les bénévoles du club. Je vous invite à essayer ces défis. Dès qu'ils sont réalisés, vous les envoyez en vidéo sur le site de l'OCNA ou via Cédric. Je vous souhaite bon courage. Je remercie Cédric pour cette petite idée. Bon confinement à vous et à très vite sur le terrain.